Dans cette vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter une initiative que je trouve magnifique. Elle est le fruit d'une bande de potes du sud de la France, faisant partie d'une APPMA et qui vivent et pêchent près d'une légende du carp fishing. Et qui ont eu une idée qui démontre que les carpistes peuvent aussi penser aux générations à venir. Alors, il est hors de question dans cette introduction de spoiler la vidéo que vous allez voir juste après, mais ensuite, je reviendrai pour en mettre une couche à ma manière. Donc, installez-vous confortablement, ouvrez les oreilles en grand et mettez votre cerveau en fonctionnement pour comprendre cette vision à long terme. Franchement, perso, je kiffe. Il vous reste 10 secondes pour aller chercher l'apéro et les cacahuètes et ensuite, croyez-moi, je vous offre une pépite. Allez, viens mon bébé. Allez. Bon, salut tout le monde, l'équipe. Salut l'équipe, salut tout le monde. Bon, on va se présenter vite fait. Ouais, bon, on fait comme on fait d'habitude. Alors, je vais commencer par toi. Alors, ça, c'est Sébastien, président de la PPMA La Muoise. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et voilà, et toi, qui tu es, toi? Benjamin, secrétaire de la même association. Voilà, et nous, en fait, on a des gros projets pour l'avenir. Et cet avenir, mais forcément, si je prends la parole, c'est que ça concerne le monde de la carpe. Exactement. Dans la continuité du Trophée Saint-Cassien. Voilà, dans la continuité du Trophée Saint-Cassien, on a eu la brillante idée de faire tout simplement une tombola géante. C'est ça. Alors, explique-nous un peu plus, Seb. Donc, on a pensé à vous faire une tombola géante avant les fêtes de Noël et après les fêtes de Noël, voilà, pour réempoisonner le lac de Saint-Cassien. Exactement. Et pourquoi on veut le rempoissonner, Ben? Alors pourquoi? Mais tout simplement parce que tout le monde connaît les carpes records de Saint-Cassien qu'il y avait à l'époque, qui sont malheureusement partis. Les carpes actuelles, les gros sujets ne sont pas éternels et que si on rajoute pas, si on réimplante pas une nouvelle souche, et bien malheureusement nos enfants ils vont pêcher pas grand chose. Exactement. Et en plus avec les deux derniers trophées qu'on a fait, on a constaté que les carpes, des gros sujets, il n'y en a plus tant que ça. Il n'y en a plus tant que ça. Alors bien sûr, n'ayez pas peur, il en reste quelques-unes. Bien sûr. Mais voilà, si on se prend pas en main dès maintenant et si on revoit pas l'avenir dès aujourd'hui, on pense que ça peut jouer un rôle pour le futur. Oui, oui, c'est pour ça qu'on a eu ce projet-là, de lâcher des carpes entre, on peut le dire, entre 6 et 10 kilos. Entre 6 et 10 kilos, voilà, parce que ça ne sert à rien d'avoir des carpes de 25-30 kilos pour pouvoir les pêcher demain, parce que vous avez bien compris que ce n'était pas le but. Pas le but de la manœuvre, non. Voilà, le but c'est que nos enfants, moi mon gamin, comme vous le connaissez tous, je passe de par les réseaux, qui a 6 ans, j'aimerais que quand il a 26 ans, ils me disent « Papa, regarde le poisson que j'ai sorti sur la Mecque ». Exactement. Voilà, donc c'est le but. Et puis on va travailler avec nos partenaires qu'on travaille depuis le début. Voilà, alors le listing des partenaires, on va vous donner juste une enveloppe générale. Pour le moment, on a un peu plus de 5000 euros de donations. 5000 euros de donations. De ces partenaires, on va vous les citer. Après, on approfondira bien sûr sur la page par le biais de communication, forcément pour ces partenaires-là. Tu donneras les lots, etc. Tu donneras les gros lots, il faut leur dire. Exactement. Alors là, on a Ictus, Nash, Airbot, SH Lithium, FAE, Nickel, Lorenz, Côté Lac, Caperlin, tu l'as dit. Caperlin, je ne l'ai pas dit. Donc voilà, on espère qu'il y a d'autres partenaires qui vont se greffer au fur et à mesure, dès qu'ils vont voir un peu ce mouvement qu'on est en train de créer. De toute façon, on vous donnera tous les détails, même des lots, je pense, par écrit, tu leur donneras ça. Moi, je le ferai par le biais de publications sur la page du Trophée Saint-Cassien. Exactement. Et comme ça, vous pourrez voir au fur et à mesure tous les lots et les gros lots, parce que bien sûr, vous imaginez bien qu'on vous a prévu une donation à la hauteur de l'événement, bien entendu, parce que le but c'est aussi de vous faire envie d'acheter des tickets pour que nous, derrière, on puisse avoir le assez de pouvoir pour pouvoir réimplanter du poisson. Et d'ailleurs, je voulais préciser, avant de rentrer dans tous les détails de la tombola, on incite tout le monde qui sont dans la même optique que nous à faire la même chose de partout en France. Exactement. Ou dans l'Europe ou dans le monde entier. Ouais, voilà, ceux qui veulent réimplanter, je ne sais pas si ça se dit ce mot. Réempoissonner leur lieu, je pense qu'avec un jeu comme ça, ça peut se faire assez facilement, je pense. Oui, on espère en tout cas. Ils se rapprochent de leur APPMA et... Tout à fait. Et puis alors, ça se fait. Alors l'idée, Seb, elle est simple. Si on a 500 euros
Et bien malheureusement, on ne va pas lâcher grand-chose en carpe. C'est malheureux, mais c'est comme ça. 500 euros, on a deux carpes. Voilà. Plus. Mais comme c'est Saint-Cassien, et Saint-Cassien, normalement, il doit toucher un public, si j'ose dire, planétaire. Et normalement, on devrait avoir un maximum de trésorerie. Et là, on pourrait se permettre de faire quoi, Seb, alors, si c'est ce cas-là? Ah, si c'est ce cas-là, Ben, si on arrive à dégager une enveloppe conséquente, eh ben, on va prendre contact avec nos partenaires et on va implanter de la souche hongroise. Voilà, par exemple. Hein, de la pure souche hongroise, pas de l'hybride. Et ce qui va permettre, je pense, avant de très bien s'adapter dans nos eaux. Oui, ah oui, oui, ce poisson a une génétique fabuleuse. Alors bien sûr, si on n'a pas assez d'argent pour implanter de la hongroise, laissez-nous vous dire que forcément, par le biais du trophée Saint-Cassien, des deux éditions qu'on a pu créer, on s'est fait un petit carnet d'adresses et on connaît un peu de monde dans le circuit du poisson, hein, si on peut dire. Et forcément, on aura de très bonnes souches. Voilà, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, si c'est pas de la hongroise, ça sera autre chose, mais ça sera du beau poisson. Et croyez-nous, ça va le faire. Et aussi, je tiens à préciser que cette idée, elle n'est pas née il y a 2-3 semaines. Hein. On l'a eu bien avant le trophée. Ça fait déjà quelques mois que ça turlupine là-dedans. Et ça, c'est une idée posée. On a réfléchi, on a pris des conseils. On s'est renseigné auprès des présidents de la PPMA. Exactement. On a pris l'expert de la Fédération de pêche qui nous a conseillé de faire ce mouvement-là, enfin de rempoisonner. Bien sûr, ouais. Et puis même, je voulais... C'est pas qu'il nous a conseillé, c'est qu'il nous a soutenus. Et il nous a donné 2-3 tuyaux pour faire ça, les choses bien, on exactement. Va dire. Voilà. Il avait la même optique que nous, quoi. Les carpes, elles n'étaient pas éternelles. En fait, les gros sujets, ils sont morts de vieillesse, quoi. Oui, enfin, normal, pas éternel. Normal. Et puis, pour revenir sur ça, je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire aussi, Ben, si on dégage suffisamment de fonds, ouais, pourquoi pas envisager un plan de rempoisonnement sur 3 ans. Un plan annuel de rempoisonnement, ou chaque année, éventuellement, oui, on pourrait introduire du poisson chaque année. On se dit l'enveloppe, elle est là. Ouais. De toute façon, on sera totalement transparent. Bien sûr, vous aurez visibilité sur tout. Les rempoisonnements seront faits avec forcément du live, du contenu vidéo par le biais de nos supports de communication. Nous avons nos partenaires qui vont nous suivre aussi sur les rempoisonnements. Donc ça, il faut le dire. Tout sera transparent avec vous. Ce sera une belle histoire. Ouais, je pense. Je pense que, et c'est à vous de l'écrire l'histoire, c'est pas simplement nous, mais c'est vous qui avez tout dans les mains en fait pour faire en sorte que dans le futur Saint-Cassien redevienne la star. Exactement. Voilà. De toute façon, en dessous de la vidéo, tu pourras marquer qu'on va passer par une plateforme internet. Oui, voilà, beaucoup plus facile à gérer parce que des tickets tombola à l'écrit à l'ancienne. Pour les locaux, on pourra le faire, ouais. Voilà. Mais après, pour les gens qui sont dans toute la France et tout le monde entier, ouais, on fera par cette plateforme-là. Ça va être compliqué sinon. Ouais. Ce sera mieux. Donc le lien sera dans le descriptif de la vidéo quand on vous publiera tout ça. Exactement. Alors on tient à vous dire merci à toutes et à tous pour votre soutien déjà, parce qu'on sait que même au sein de cette action, on est beaucoup suivi par le biais du trophée Saint-Cassien. Et on vous remercie. Les autres événements. Tous les jours, on reçoit des messages encore. Ouais, ça fait vraiment plaisir. À chaque fois, on se répète, mais bon. C'est vrai, chaque fois, on se répète, mais chaque fois, ça nous fait chaud au cœur. Et chaque fois qu'on a de votre soutien, eh bien, c'est la récompense. Hein. C'est la récompense parce que nous, on n'est pas compétiteurs au trophée. Et on fait ça pour ça. On fait ça pour cette reconnaissance. Mais pas, c'est pas une reconnaissance, c'est. Je sais pas, le plaisir déjà, c'est un bonheur. Ça nourrit notre envie de continuer. Exactement. Et d'aller plus loin. Voilà. Donc écoutez, prenez soin de vous, surtout par les temps qui courent. Exactement. Ça s'annonce encore compliqué dans les prochains jours, malheureusement. Passez de très bonnes fêtes. Très très bonnes fêtes, ouais. Et puis écoutez, restez connectés parce qu'on va vous détailler tout ça et ça devrait faire mal. Bon, on compte sur vous quand même. On compte sur vous. Allez, à plus tard les gars. Ciao. Bye bye. Bon, est-ce que vous avez compris le concept, l'enjeu et l'intérêt de tout cela? Oh, vous êtes encore là? Ah oui, je sais pourquoi. Il manque un truc et vous êtes perturbé. Je refais mon entrée et vous allez vous sentir mieux. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Bon, est-ce que vous avez saisi le concept, l'enjeu et l'intérêt de tout cela? Parce que dans le cas contraire, je vais vous réexpliquer ça à ma manière. Et vous allez voir, pour vos oreilles, ça va être une sonate, que dis-je, une symphonie. Que vous soyez des carpistes, des pêcheurs de carpes, peu importe le nom, vous êtes comme moi, passionné par ce poisson. Et même si vous n'étiez pas né à l'époque de l'épopée mythique de Saint-Cassien, il n'empêche que sans que vous soupçonniez, c'est grâce à cela que nous sommes tous réunis dans cette même passion. D'ailleurs, j'ai l'honneur et la fierté de vous dire que je suis le premier à participer à cette tombola et que les numéros d'étiquette de 1 à 30 sont les miens. Croyez-moi, je vous le redis, j'en suis excessivement fier. Et pour ceux qui croient que j'ai rien payé, ils ne me connaissent pas, hein. Ça m'a coûté 50 balles.
Simplement parce que je ne veux pas faire du mitonnage et surtout avoir le plaisir de dire, lorsque, dans quelques années, je verrai des images de nouveaux beaux poissons de Saint-Cassien, ça, mon Hube, c'est en partie grâce à toi. Et là, permettez-moi de vous dire que ce geste va peut-être m'éviter l'enfer et la damnation. Pensez donc, vous achetez des tickets de tombola, et pas n'importe quel tombola, hein, du lourd, la Française des Jeux à côté, c'est peut-être un peu léger, va falloir qu'elle fasse un effort pour rivaliser. Donc, vous participez à une tombola, au niveau que vous le souhaitez, ou que vous permet vos moyens, vous pouvez gagner de somptueux lots en matériel et autres, et vous rentrez dans l'histoire de Saint-Cassien, par la grande porte, et là, je pèse mes mots. Prendre un poisson à Saint-Cassien est et restera une joie et une fierté immense, tant cet endroit est chargé de tous les souvenirs du carp fishing en France. Mais faire partie de la famille de Saint-Cassien en perpétuant l'histoire, ce n'est plus une fierté, mais un honneur que l'on se donne. Oh putain que c'est beau, j'ai failli chialer. Ta gueule. Pour conclure, je vais vous demander de réfléchir au bien fondé de cette initiative, de ne pas vous poser la question sur le nombre de tickets achetés, que ce soit 1, 10, 20 tickets ou plus. Vous aurez fait votre bonne action et je vous le redis, vous ferez partie de cette famille de Saint-Cassiens. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, je peux déjà vous dire que je suis très heureux de pouvoir vous compter parmi nous. Et on va pas se mentir, on va essayer de gagner des cadeaux, hein. D'ailleurs, tiens, je vais vous faire la dernière annonce à ce sujet. Si par bonheur, je venais à gagner un ou plusieurs lots, je les remettrai en jeu sur ma chaîne le mois suivant et les ferai gagner à l'un ou l'une de mes abonnés. Ouais, je sais, je suis un prince. Bon. Je serais vous, je jouerais quand même directement. Hein. Parce que perso, côté tombola, je suis un peu plus que poissard, donc à votre place, j'éviterai de compter que sur moi. Cette fois-ci, je ne vais pas espérer que cette petite vidéo vous aura intéressé, mais plutôt qu'elle vous aura convaincu de faire ce geste. Et surtout, partagez cette vidéo en vous mettant en tête que c'est pour l'avenir de Saint-Cassien que vous le faites, pas pour moi. Par contre, le petit pouce bleu, ah, ça c'est pour moi. Et pour les commentaires, justement, dites ce que vous en pensez, et surtout, que vous allez y participer. A bientôt et gardez la pêche !